Réveil matinal aujourd'hui. Après un bon petit déjeuner pris au camping-hôtel à Figi, nous prendrons la route direction Menkoub et ensuite Benitajit. La journée va être chargée. Au départ de Figi, nous prenons la nationale 17. Nous avons 47 km à faire avant de prendre la piste direction Menkoub. Nous prenons la direction de Menkoub, El Menkoub. Ensuite, nous irons à Benitajit. Nous sommes sur la piste dite interdite, qui longe la frontière algérienne. Nous avons rencontré plusieurs postes militaires, mais ils nous laisseront continuer nos routes. Pour rejoindre Benitajit, nous avons 170 km de piste. Le chien reste sur la piste pour m'empêcher d'aller plus vite. Il s'écartera une fois que j'arriverai au niveau de la charrette. À nouveau sur la gauche des tranchées proches de la frontière. Poste militaire.
Nous avons eu un petit contrôle ici, le poste militaire. Alors nous sommes très proches de la frontière algérienne. Là, ce qu'on voit sur la gauche, c'est une tranchée qui longe pratiquement toute la frontière est du Maroc. C'est à la fois pour empêcher l'immigration et puis aussi de... Allez, il y a un trou là, passe à gauche. Ah, j'avais pas saisi, je cherchais le trou dans la route, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il y a une faille dans le système. Ouais, c'est ce que j'ai vu. D'après moi, c'est pour permettre un peu de contrebande quand même. Ah, écoute, on ne sait pas non plus, hein. 3 mois ici, tu te rends compte? Ouais, 3 mois, ça doit être long. Effectivement, 3 mois, purée, je l'ai plein, les mecs. En plus, comme il disait, il y a le mois du Ramadan qui arrive maintenant, alors. C'est pas chine. Eh oui, c'est ça, bien sûr. Pas ici. Là. Vas-y là. Arrivé sur Menkoub.
gauche, un peu d'hésitation, ça sera à gauche. Et un peu de hors-piste pour retrouver notre route. Sur une piste très peu fréquentée apparemment. Nous allons comprendre quelques centaines de mètres. Bon, on est un peu en galère, hein. Il va falloir déplacer quelques blocs. Mais on a trouvé la piste. Prends les deux rochers là. Voilà, et viens. Oui, prends les deux rochers, tu vas tout droit. Ah, droit maintenant. Vas-y, grimpe dessus, vas-y. Voilà. Maintenant, tu viens là. C'est bon. Pousse. Voilà, c'est bon.
Nous entrons dans une zone sablonneuse, sûrement un moyen de traverser. Et nous voici dans l'eau, heureusement asséché. À l'approche de Benitajit, nous prenons une piste touffante et un gros orage nous tombe dessus. À Benitajit, l'orage s'est arrêté et nous passerons la nuit dans le parking d'une station-service.